Je me suis garé juste avant le petit pont. Et je vais prendre le premier sentier juste avant le pont. Un peu en dessous, il y a aussi un vaste parking où on peut se garer. Ensuite, on prend le chemin qui est là, tout droit, et qui rejoint l'itinéraire. Juste au-dessus, on débouche sur l'autre chemin. Et on prend tout de suite à gauche. 5 minutes après, on aperçoit le ruisseau sur la gauche. Le large chemin continue tout droit. Et là, il faut prendre à droite en direction des rochers d'escalade. On arrive aux rochers d'escalade. C'est très fleuri en ce moment, c'est très joli. Et là, il faut commencer à grimper par où on peut. En essayant ensuite de trouver un passage parmi les rochers. Alors attention, c'est plutôt dangereux par endroits et ne peuvent s'y aventurer que les gens qui ont un petit peu le sens de l'escalade. Par endroits, c'est aérien, mais c'est pas très difficile. Passage de 3 en gros. Allez, on poursuit. Quelques mètres plus haut, nouveau mur. Je vais essayer par là, je vais voir si ça passe. C'est passé. Alors ne pas aller trop à gauche, hein, puisqu'on se retrouve dans des murs. Et là, on retrouve un bout de passage. Le passage est assez long, hein, quand même, au total. Mais bon, c'est de plus en plus évident et facile après. Il y a de quoi s'accrocher aux branches. Plus haut encore, un nouveau mur qu'il faut prendre par la droite. Bien suivre la paroi en montant par la droite. Jusqu'à tomber sur cette petite cheminée qui est facile. Je ne m'en rappelais pas, mais le passage est quand même long et bien acrobatique. C'est aérien, il faut faire attention à chaque pas. Et après, ben, ça continue jusqu'au prochain passage. Après un long et agréable passage dans les bois, nouveau ressaut rocheux. Encore une petite traversée dans les bois. Et on arrive brutalement sur cette barre rocheuse. Difficilement franchissable. On va l'éviter par la gauche. En passant vers le pin. Suivre le petit ressaut qui monte. Facile, beaucoup de prise de main et de pied. Là, on va monter juste là, puis au-dessus sur la grosse vire, jusqu'à l'arbre torturé là-haut. Pas compliqué non plus. Il n'y a plus qu'à poursuivre, là c'est beaucoup plus facile. Après, on se retrouve à nouveau dans les bois. C'est un peu chaotique par endroit, mais c'est facile. Ensuite, il suffit de suivre l'épaule à peu près tout le long. On arrive à l'alpage. Et là, on va continuer à suivre l'épaule. Un peu dans les champs, un peu dans les bois. Jusqu'à arriver tout en haut. Où on va prendre un passage sur la droite. Qui va nous amener
jusqu'à ce petit dôme que j'ai appelé dôme de l'Arpette. En regardant bien, juste en débouchant sur l'alpage, on a sur la droite un petit sentier qui descend. Ensuite, il prend carrément à gauche pour rejoindre Dran et le GR96. Là, c'est un accès beaucoup plus facile. C'est troll, non? Arrivé très haut dans l'alpage, au-dessus de tous les bosquets, il faut repérer une diagonale qui va nous permettre de nous échapper vers le haut. Il y a un petit arbre au pied de la diagonale. Et on va passer au-dessus de cette diagonale pour sortir au-dessus des barres. Voilà, le passage est là. Alors attention parce que c'est très raide, hein, faut pas se rater. Il y en a des fleurs ici. La diagonale du fou est passée. Il n'y a plus qu'à monter l'épaule. Restez sur l'épaule et l'alpage en tirant légèrement à droite et à gauche des pierriers, puis ensuite en direction du sommet là-haut. Sur l'épaule sommitale, on retrouve un sentier. On va le prendre à droite. Joli petit passage sous les pins. Voilà, tête ronde passée. Il n'y a plus qu'à aller en direction de Tête Noire. On va suivre les crêtes, il y a un petit sentier comme d'habitude. Encore un petit passage sympa. Et on arrive tout de suite à Tête Noire, avec une vue magnifique tout autour. En contrebas, ben, on voit la verdure de la gorge d'Ablon. C'est très joli ça. Et en face, Tête Ronde, où ben, je vais y retourner. Par le sentier des crêtes plutôt que d'aller me perdre dans les éboulis et les lapias. En plus, c'est un sentier qui est très très joli. De ce côté là il y a les auges, les frettes avec les glières au milieu. Plus loin c'est Soudine et puis Roche Parnal, le truc pointu là bas j'ai pas l'habitude de venir par là, c'est vraiment très joli aussi. Le mont Lacha là-bas. Il y en a des gentianes par ici. Deuxième passage à Tête Ronde. Tête Noire là-bas au fond. Alors je suis monté tout doux pour pas déclencher les crampes, je commence à être crevé. Et là, ben, je vais passer par le petit dôme de l'Arpette pour rejoindre la tête de l'Arpette. Et ensuite, je vais essayer de trouver le sentier qui descend vers mon itinéraire de retour.
Et ben voilà la tête de l'Arpette. Alors ici c'est tout rond. On n'a pas l'impression qu'en dessous il y a une énorme falaise. C'est cool, on voit la Tournette. Les Dents de l'Enfant. Bon, tout au fond il y a les Bauges, là-bas il y a le lac d'Annecy. Tonne évidemment. Et des Aravis, le Mont Charvin. Le col des Aravis là-bas. Et la pointe percée tout au fond, qu'elle est belle. Faudra que j'aille la faire. Bien, faut que je trouve un itinéraire pour rejoindre le sommet de la gorge d'Ablon. Puis le passage de la Bourse qui est juste là-bas derrière. Pour ensuite redescendre sur la Balme de Tuy où je suis garé. Il m'a quand même fallu 5 heures pour arriver là, en prenant quand même pas mal de photos et de films. C'est très raide. Hein. Ne pas oublier que sur ce type d'itinéraire, on est vite crevé. Et qu'il faut en garder un tout petit peu sur la semelle pour finir la randonnée. C'est facile, ça suit la crête tout le long. Avec un tout petit passage en désescalade arrière, mais tranquille. Jusqu'à ce que ça arrive sur une espèce de lapia. Où là, il faut tirer sur sa droite. Pour trouver un passage. Ensuite, on reprend tout de suite la crête. Jusqu'à arriver à un tout petit passage. Donc, faut pas le rater. Où ça passe tranquillement là. Faut être prudent quand même, ça passe bien, mais ça désescalade en arrière. Et c'est du rocher pourri, donc faut faire gaffe. Après, ça passe un petit peu dans de la terre, alors faut surtout pas que ce soit mouillé. Si c'est mouillé, ne jamais passer par là. Après, c'est une sorte de sentier éboulé qui est très marrant à descendre, ça glisse bien. Ça passe un peu n'importe où, dans les branches, pour rejoindre là-bas dessous, je sais pas où après. On verra bien. Attention de bien passer sur votre gauche en descendant. Parce que de l'autre côté, bah, c'est que des falaises. Donc vous risqueriez de vous retrouver gros bobo. Je suis descendu tout droit dans les éboulis, puis tout droit dans la forêt à la recherche d'un chemin. Que j'ai fini par trouver, mais vraiment très bas. Alors ça descend très bien quand même hein, dans la forêt. L'avantage c'est que c'est rapide, puis c'est rigolo. Par contre, il faut faire attention parce que par endroit, il y a des petites barres. Mais bon, ça passe très bien entre. Allez, je vais essayer de poursuivre ce sentier. Plus bas, on retombe sur un gros chemin forestier. Tout compte fait, je préfère couper à travers bois. Ça a l'air sympathique, cette haie forestière. Comme j'ai bien visé, j'arrive pile où je suis parti ce matin. Mais bon, je vais pas recommencer là, hein. Je suis complètement mort. Allez, encore quelques centaines de mètres et je suis à la voiture.